Bonjour, bienvenue à notre leçon. Pour commencer, faisons un exercice pour réviser la règle sur l'article partitif qui est employé devant les noms qui désignent les produits élémentaires. Complétez les phrases avec les articles du, de la, de l'apostrophe, des. La première phrase. Tu manges viande et carottes. La deuxième, elle achète pain, lait et biscottes. Vous commandez pâte ou purée de pommes de terre. Nous voulons beurre, sucre et huile. Il prépare poisson et légumes. Elles boivent eau minérale. Au chocolat chaud. Je veux jambon avec frites et tomates. Il lui offre cerises avec glace et citron. Vérifiez vos réponses. Tu manges de la viande et des carottes. Elle achète du pain, du lait et des biscottes. Vous commandez des pâtes ou de la purée de pommes de terre. Nous voulons du beurre, du sucre et de l'huile. Il prépare du poisson et des légumes. Elles boivent de l'eau minérale ou du chocolat chaud. Je veux du jambon avec des frites et des tomates. Il lui offre des cerises avec de la glace et du citron. Nous avons appris avec vous qu'on peut faire les courses dans un magasin ou bien au supermarché. Outre cela, on peut faire les courses au marché ou acheter au marché, et la personne qui vend des produits au marché s'appelle un marchand, une marchande. Maintenant, en prenant quelques phrases qui peuvent vous être utiles quand vous faites les courses au marché. Écoutez et retenez. Le vendeur. À qui le tour? Чья очередь? Vous désirez? Что вы хотите? C'est 3 euros le kilo. 3 евро за килограмм. Ça fait 11 euros. Ce стоит 11 евро. Vous avez de la monnaie? У вас есть мелочь? И avec ça? И что еще? Le client. А moi? Моя очередь. Je voudrais. Я хотел бы. Combien ça coûte? Сколько это стоит? C'est combien les pommes? Сколько стоят яблоки? Elle pèse combien cette pastèque? Сколько весит арбуз? Donnez-moi aussi.
Дайте мне также. Donnez-moi 2 kilos. Дайте мне их 2 килограмма. Je vous dois combien? Сколько я вам должен? C'est tout, merci. Это все, спасибо. Maintenant, écoutez une conversation qui a lieu au marché et répondez aux questions. Les questions. Chez qui la cliente fait-elle ses achats? Combien coûtent les pommes? Qu'est-ce que la cliente achète? Combien? Combien paie-t-elle ses achats? Écoutez le dialogue. Au marché. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous désirez? Je voudrais des fruits. C'est combien les pommes? C'est 3 € le kilo. Oh là là, c'est cher. Elles sont très bonnes aujourd'hui. Donnez-moi 2 kilos et 1/2 kilo de mandarines. Voilà, madame. Je vous dois combien? Ça fait 8 € 50 centimes. Merci, monsieur. Et avec ça, c'est tout. Au revoir. Répondez aux questions. Vérifiez les bonnes réponses. Chez qui la cliente fait-elle ses achats? La cliente fait ses achats chez le marchand. Combien coûtent les pommes? Les pommes coûtent 3 € le kilo. Qu'est-ce que la cliente achète? Combien? La cliente achète 2 kilos de pommes et 1/2 kilo de mandarines. Combien paie-t-elle ses achats? Elle paie ses achats 8 € 50 centimes. On va faire l'exercice suivant. Choisissez des produits ou bien un produit à acheter. Vous avez de la salade qui coûte 45 centimes. Vous avez des tomates qui coûtent 2 € 25 centimes. Et vous avez des bananes qui coûtent 2 € 40 centimes. Maintenant, complétez le dialogue en utilisant ces phrases. Regardez la réponse possible. Chez le marchand de fruits et légumes. À qui le tour? À moi, c'est à moi. Vous désirez, mademoiselle? Donnez-moi 1 kilo de bananes, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout, mademoiselle? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait combien? Ça fait 2 € 40 centimes. Voilà, monsieur. Merci de votre travail.